Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo d'Halloween. Donc, c'est la première pour vous, mais c'est pas la première que je tourne puisque celle-ci n'était pas prévue de base. Enfin, elle avait été prévue. Il y a des plumes qui volent. Elle avait été prévue et puis j'avais pas assez de place dans mon planning, donc je l'avais décalée à l'année prochaine. Finalement, comme je fais pas le live découvert du fond, puisque je voulais montrer en vlog, j'ai pu rajouter cette vidéo. Donc je suis trop contente parce que j'avais vraiment envie de la faire. J'étais un peu embêtée, mais voilà. Donc voilà le fond d'Halloween de cette année. Vous l'avez déjà vu en vlog si vous suivez mes vlogs. Et voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Donc on va partir sur un make-up Blackbird, corbeau. Je vais mettre Blackbird dans le titre. Voilà, ça sera mieux. Donc, je me rapproche et on attaque. Donc, j'ai déjà fait mon teint et j'ai monté mon blush jusque sur mes tempes parce que j'avais envie. Donc, je dégage la touffette. Et on va attaquer tout de suite. Alors, le make-up des yeux va être très, très, très soft. Enfin, très, très simple plutôt parce que soft, je ne suis pas sûre. Et tout le make-up va se jouer avec ceci, des plumes noires. Voilà. Je croyais que j'avais oublié de les commander, donc c'est un ruban de plumes noires, voilà, que vous pouvez coudre également sur des vêtements. Hein. Moi, je vais les utiliser pour mon make-up. Et voilà. Donc, je vais commencer tout simplement avec le Jumbo Bin. C'est Bin, hein. Bin, je ne sais plus. De chez NYX. Pour faire un espèce de smoky hyper dark à paillettes. Je vais remettre juste mon highlighter puisque j'ai mis de l'highlighter bleu pour aller avec le côté corbeau. Donc, je fais mes muqueuses en même temps. Hein. Donc, voilà. Je me casse pas la nénette, comme très souvent. Alors, si vous n'avez pas les plumes, parce que moi, je les avais commandées sur AliExpress, je crois. Ou Chine, un truc comme ça. Un site chinois, quoi. Si vous n'avez pas de plumes, enfin, si vous n'avez pas le temps de commander... On vend partout maintenant des bois. Hein. Donc vous pouvez très bien trouver ça. Ou vous pouvez en trouver sur Amazon aussi, être livré rapidement. Mais sinon, il y a plein de magasins. Hein, surtout que maintenant, la saison de Noël commence déjà à apparaître un peu partout. Ben vous avez les bois en plumes, là, tout simplement. Donc j'en mets également dans mes muqueuses, en haut, en bas. Je noircis bien mon ras de cils. Je vais quand même prendre un petit pinceau pour blinder, pour pas m'en foutre plein les doigts, parce que sinon je vais encore me faire des taches. Je n'arrête pas en ce moment de me faire des taches. Donc je blinde partout. En fait, bien un œil après un œil, hein, parce que enfin, un œil après l'autre, parce que ça sèche quand même relativement vite. Voilà, on reviendra remettre une deuxième couche après. Je passe à la seconde couche pour bien noircir la paupière mobile. Et je reblinde. Je vais monter ici d'ailleurs. J'ai fait mes sourcils un peu différents, un peu plus en bec d'oiseau, mais là je vais monter bien ici dans le creux. Si vous n'avez pas assez de matière, vous en prélevez un peu directement sur le crayon. Ça fonctionne très bien avec les NYX. Ok pour ça. Je remettrai du noir avec un crayon dans la muqueuse, ça sera plus simple. Ensuite, je prends mon highlighter. Donc, c'est le Rue de Cosmétique, la Manga Collection. Je ne sais pas lire le temps. Et je tape ça partout, sur ma paupière, jusque sous mon sourcillon, là où j'ai mis du noir. Donc je peux déborder hein, puisque c'est l'highlighter que j'ai mis. Et avec un petit pinceau précision,
Si j'en trouve. Il faudrait peut-être que je me décide à ranger mes pinceaux comme correctement, hein, parce que je les ai tous tapés comme ça dans mon bac. Et du coup, quand je cherche, je ne trouve plus. Donc, j'en remets en coin interne, ici. Je crois qu'il y a mon chien qui est coincé en haut. Et un petit peu ici. Oui, j'en mets partout. Allez, hop, ça fait ça. Voilà. On est pas mal pour ça. Je vais voir si le chien veut descendre ou s'il trottine. Ah, il est se gratte l'oreille. Elle est dans la chambre, elle n'est pas avec moi dans le bureau. Hein. Bref. Donc, voilà pour ça. Très liner quand on mime, hein, parce que sinon, ça fait un peu bizarre comme ça. Miroir à main. Et on est parti pour le liner. Oh, faut que je fasse mes sourcillons. Oui, c'est nouveau mot, sourcillon. Je cherche pas à comprendre. Je suis en train de me dire, je vais essayer de pas trop les tendre, faire un peu plus court que d'habitude. Ben non. Pas du tout. Bon, après, vous faites la taille que vous voulez. Hein. Oui, j'y vais au feeling. Hein, vous avez l'habitude. Hein. Je sais pas trop ce que je fais, mais j'y vais. Et après, je pleure quand je me démaquille. Faut quand même faire attention de ne pas faire un mono sourcil, hein, parce que ce serait moche. Mais comme ça, c'est pas mal. Vous savez quoi? Je vais faire la même chose en externe. Bon, du coup, il y aura deux make-up avec des plumes. Style oiseau. J'en avais prévu un autre. Elle est en train de me bousculer. Et maintenant, on va passer au plume. Donc, je vais prendre mon liner essence parce qu'il est presque au bout. Donc, comme ça, après, je peux le jeter. Alors, je vais essayer de trouver des plumes à chaque fois par deux. À peu près de la même taille et de la même largeur. Après, ça sera pas symétrique forcément, puisque de toute façon, on ne sait pas avoir la symétrie comme ça. Donc, je vais déjà en mettre une qui part d'ici. Je vais mettre celle-là. On va essayer de pas trop cacher ce que j'ai fait ici, hein. Ce serait con. Bon, je dis ça, mais à mon avis, ça sera caché. Ça cache déjà tout le liner. Hein. Alors, on va continuer quand même ici. Quelle taille j'ai pris? Ah, je ne sais plus. Après, vous voyez, les plumes sont forcément pas toutes les mêmes, donc ce qui est tout à fait normal. Hein. Oh, j'aime bien. Je vais en mettre une plus petite par ici. Je sais pas si je vais faire tout le tour de mon œil, parce qu'après, on verra pas mes sourcils, on verra pas mon make-up. Je ne sais pas. J'ai déjà de la colle partout. Bravo, moi. Je vais la mettre dans l'autre sens. Donc, pour qu'elle repique vers l'intérieur. Ah, ça se en chier pour me démaquiller encore une fois. Je vais encore pleurer. Eh ben, c'est pas mal.
Là, j'en ai une longue qui manque un peu de peps. Mais c'est pas grave, on va coller celle-là comme ça. La coller un peu ici au-dessus. Et je vais en recoller une par-dessus. Celle-là aussi, elle manque un peu de peps. C'est pas grave, ça va être joli. J'espère. Et toi pour finir, tu vas tenir? Tu veux bien tenir? Merveilleux! Je vais en refaire partir une d'ici quand même. J'ai deux toutes petites là. Je peux tourner ça. J'ai des plumes collées partout. C'est bien ça. Oh, c'est bien ça. J'aime bien quand tu fais des choses comme ça. Mais écoutez, question plume, je pense qu'on est quand même pas mal. Hein. Ouais. Alors, j'ai des bouts de plume partout. J'ai plié mon essuie avant de m'en foutre partout. Je vais laver mes mains. Mascara, fossile, crayon noir pour rajouter... du noir dans ma muqueuse, ça colle. Je vais mettre du rouge à lèvres noir avec l'highlighter par-dessus, quelques plumes dans mes cheveux. Je viens vous remontrer ce que ça donne et on se retrouve juste après. Et donc voilà le look final pour Blackbird. J'aime beaucoup. Je suis encore une fois très fière de ce que j'ai fait. Voilà. Et vous avez vu que c'est pas énorme comme make-up. Suffit d'avoir des plumes. Donc peu importe la couleur, vous pouvez faire le petit oiseau de toutes les couleurs, de la couleur qui vous intéresse. On trouve des plumes chez Action aussi, des colorés. Hein. Des noirs, j'en ai jamais trouvé, mais des colorés, des multicolores. On peut faire un hara. Je prends un tome. Voilà, voilà. Donc, j'espère qu'il vous plaît ce premier make-up. Très facile à faire, d'ailleurs. Hein, voilà. J'aime beaucoup. J'ai hâte que vous voyez tous les autres. Demain, pour vous... Ah oui, je sais c'est quoi, moi. Forcément. Donc, je vous laisse quand même la surprise. Je ne vous spoil pas. Voilà, j'ai envie que vous voyez la surprise. Donc j'espère que ça vous plaît, dites-moi ça en commentaire si vous aimez, si c'est le genre de make-up que vous pourriez faire pour Halloween ou pas, voilà, tout simplement. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner, ça fait vraiment plaisir et ça m'aide vraiment beaucoup, beaucoup. En plus c'est gratuit, donc c'est tout bénef, et pour vous, et pour moi. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.